Le GIEC est formel, la crise climatique est abyssale et d'une gravité mortelle pour l'humanité comme pour de nombreuses autres espèces. Mais le GIEC est également formel, il nous est encore possible d'agir. Pour cela, au moins trois aliments dans la recette. Le premier, se libérer des énergies fossiles. Cela veut dire cesser tout financement, tout soutien à des projets d'énergie fossile et à leurs infrastructures, et cela vaut pour l'Union européenne, pour ses États membres, comme d'ailleurs pour les entreprises européennes, et il nous faut légiférer dans cette direction. Le deuxième, c'est que la focalisation sur le seul carbone est dangereuse. Climat et biodiversité sont liés, et ils le sont avec les autres limites planétaires, l'océan, l'eau douce, ou encore les produits chimiques et toxiques et les métaux rares. Réduire notre empreinte matérielle dans la sobriété juste, adapter et adopter les textes du Green Deal sur le vivant et sur les toxiques, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Le troisième, c'est que l'efficacité climatique repose sur la justice sociale. Quand 16% des plus riches sont responsables de 40% des émissions, c'est donc là aussi la voie que nous devons emprunter. La conclusion du GIEC, c'est que nous devons aller vers la neutralité carbone pour 2040. Alors, je vous le demande, qu'allons-nous faire ?